Bonjour, aujourd'hui un mini tutoriel Joomla. Je vais vous montrer comment on substitue une chaîne. Je suis en train de refaire le design pour mon site. Et donc là, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Voilà. Donc vous avez vu, il y a écrit « écrit par ». Et moi, je trouve ça extrêmement moche. Donc j'ai décidé de le supprimer. Donc comment je vais faire? Je le sélectionne. Voilà, en faisant copier-coller. Ensuite, je vais dans langue, substitution, je le dis super bien, et je fais nouveau. Je connais pas la chaîne, donc je vais la rechercher. Et voilà, résultat de la recherche, c'est commande. Ah ben voilà, elle s'est mise là. Écrit par, ça ne me convient pas, donc je le supprime. Surtout, je garde le %S qui lui sera très utile. Donc on voit que ça sera en langue française, en anglais ce sera pas substitué. Donc j'enregistre et je ferme. Et là donc on voit que il y a une nouvelle mise à jour. Maintenant lorsque je fais F5, voilà, on voit que écrit par a été supprimé. On a juste le user. Bon, mon user c'est écrit super user parce que j'ai pas encore changé tout ça. J'en ai une autre à faire. Le petit calendrier me plaît bien, mais publication de points, ça me plaît absolument pas. Donc je le copie. Je vais la rechercher, la valeur. Je clique dessus, ça se remplit. Et je vire ce qui me plaît pas et je garde ce qui me plaît. Donc je mets un tout petit espace. Enregistrer, fermer. Et comme vous pouvez le voir, on a le petit calendrier, super user. Voilà, là je suis entièrement satisfait et j'espère que ce tutoriel vous a plu.